Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'ai regardé toutes vos vidéos, vous me manquez tellement. J'espère que la congé obligée termine le plus tôt possible pour qu'on se voit de nouveau. Dans cette vidéo, on va apprendre la saisie d'un texte avec le logiciel MS Word. Pour réaliser un document sur Microsoft Word, il faut toujours le saisir sans utiliser la souris. On dit que c'est la saisie au kilomètre. Alors, mettez de côté la souris de l'ordinateur. Mais non, tout d'abord, je saisis le titre. C'est Jojo sans peur. Je presse deux fois sur la touche Enter pour aller à une nouvelle ligne et commencer la saisie du premier paragraphe. Quand je saisis un paragraphe, le retour à une nouvelle ligne se fait automatiquement seul. Je ne presse jamais Enter pour le faire. Pour terminer la saisie du premier paragraphe, je presse une fois sur la touche du clavier Enter et je saisis le second paragraphe, pardon. Qu'est-ce que je fais maintenant pour saisir le troisième paragraphe? Bravo, j'appuie une seule fois sur la touche Enter. Pardon. Et voilà, tout le texte. Je vais vous agrandir l'écriture pour que vous puissiez le faire. Question. Mon texte est formé de quoi? Bravo, il est formé d'un titre et de quatre paragraphes. Une fois la saisie du texte est terminée, on procède au formatage. C'est ce qu'on va apprendre plus tard. Maintenant, on fait quoi? Bravo, on doit enregistrer notre document. Pour le faire, je clique sur le menu File, puis sur le bouton Save As. Un double clic sur This PC, j'y vais au folder que j'ai créé la semaine passée. Il était où? Il était sur le desktop. Bravo, Sandy Nasrallah EB3. Un double clic. J'écris le nom Jojo sans peur à côté de la case File Name et puis j'appuie sur Save. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. N'oubliez pas de m'envoyer vos textes par mail. Je vous attends. À la semaine prochaine.